vient de terminer notre séjour dans le secteur du Grand Lac Victoria, réserve faunique La Vérendrye. C'est tout un terrain de jeu, la réserve faunique, la Vérendrye, ici. Oui, tout à fait. Écoute, 4000 lacs, deux réservoirs qui sont super grands, puis il y a de la place en masse là, pour explorer. Et évidemment, ce bijou de plan d'eau, le Grand Lac Victoria. 108 km², une superficie immense pour un lac. Un terrain de jeu incroyable. Ouais, quelle distance de Montréal pour les gens qui veulent venir ici? L'entrée de la réserve est à environ 300 km de Montréal, puis c'est facilement accessible par la route 117. Okay. Comme vous avez vu, ça se fait bien. Je suis venu ici avec ma propre embarcation. J'ai amené ma Prince Craft Expédition 200. J'aime le confort et les équipements que j'ai avec ce bateau-là. Pour se rendre jusqu'ici sur le site, il y a 14-15 km de route de gravier environ. Exactement, 15 km. On travaille plusieurs fois par année pour essayer de l'entretenir le mieux possible. Donc, mais c'est possible aussi de venir sans embarcation. Sur le site, on a des chaloupes de la CEPAC avec des moteurs qui sont quand même bien adaptés à la taille des chaloupes. Oui, j'ai vu ça sur la plage. Là. C'est des belles grandes chaloupes en aluminium, des Prince Craft. Exactement. On voit que vous êtes des connaisseurs. Oui, tout à fait. Il y a un moteur 20 forces là-dessus. Hein? Oui, exactement, 20 forces. Puis le moteur versus la grandeur de la chaloupe, c'est très bien balancé. Donc, les gens peuvent faire des pêches intéressantes aussi avec nos embarcations. T'sais, au niveau des installations, là, on parle d'embarcation. Il y a un quai, il y a la rampe de mise à l'eau en ciment. Les gens peuvent aussi accoster leur embarcation ou vos chaloupes sur la plage, tout simplement. Il y a une super belle plage en face des chalets ici. Ça, en passant, les enfants peuvent aller jouer sur la plage, se baigner, jouer au ballon, au frisbee. Là, c'est un petit plus qu'on a ici. Tout à fait. C'est pas uniquement une destination de pêcheurs. Les gens qui désirent faire de la villégiature vont être aussi bien servis. Une plage d'un kilomètre de long. Donc, c'est tout le monde peut venir. Génial. C'est très intéressant. Au niveau de l'hébergement, j'ai remarqué qu'il y avait des gens en camping. Oui. Qu'est-ce qui est offert à ce niveau-là? Il y a une cinquantaine de sites de camping. C'est du camping rustique, donc sans service d'électricité ou on a de l'eau. Mais en chalet, là, c'est électricité, réfrigérateur, le grand luxe, quoi. Ah oui. Ça, les chalets modiques, moi, je trouve cette idée-là absolument géniale. Ici, il y en a 5, si j'ai bien compris. C'est 9 de cette année, c'est ça? Oui, exactement. Puis, on a tout là-dedans. Là. Poêle, frigidaire, douche, l'eau chaude, évidemment, énergie solaire. Sur le site, à l'extérieur, barbecue, endroit pour le feu, table de pique-nique. Exactement. C'est tout équipé. Puis le terrassement est vraiment beau, donc je ne sais pas si vous avez remarqué probablement. Ben oui, ça, c'est un peu surprenant là, de voir ça. Je ne m'attendais pas à ça. Là, une vraie oasis là, dans le milieu de la forêt. Ah, c'est génial, ça. Puis la beauté de l'affaire pour les gens, c'est que c'est 30 % de moins de déboursés qu'un chalet régulier. Oui, exactement. Ça paraît quand même. Quand il y a le moment de budgéter ses vacances, là, c'est des choses qu'on regarde. C'est une belle économie à faire pour. À mon avis, autant de luxe et de confort. Là. Avec les belles pêches qu'on a fait ici, on a certainement donné le goût au monde de venir pêcher le Grand Lac Victoria. Si moi, je suis à la maison puis je dis oui, l'année prochaine, moi, je veux passer mes vacances là. Comment ça fonctionne pour les réservations? Bien, pour les réservations, vous allez juste à visiter le site web de la CEPAC. Vous sélectionnez la réserve faunique La Vérendrye. Puis nos chalets sont disponibles en location 2017. C'est déjà ouvert, entre autres, pour la location. OK. Fait on suggère aux gens de faire vite, de ne pas trop tarder, hein, parce qu'il y en a 5 chalets modiques. Il n'y en a pas 20. Non, il y en a 5. C'est 90 % de taux d'occupation. Donc, ça se remplit très rapidement. Puis, mais ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Si je peux me permettre une prédiction, ça va monter à 100 l'année prochaine. Mais on se le souhaite, Stéphane, un gros merci pour toutes ces informations-là. Un réel plaisir. Puis j'invite les gens à venir ici au Grand Lac Victoria, dans la réserve faunique La Vérendrye. On a adoré notre séjour ici à tout point de vue.